Salut tout le monde, c'est Evax. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un nouveau aspirateur balai, le Ultenic U11 de chez la marque Ultenic, tout simplement. Du coup, on va déballer ça tout de suite et on va l'essayer tout de suite. Allez, c'est parti. Voilà, du coup, on se retrouve tout de suite pour assembler du coup l'aspirateur. Voilà, c'est vraiment simple. Ça n'a pas de souci. Du coup, ça vous le mettez comme ceci, juste ici. Hop, faut forcer un peu. Hop, voilà. Poser. Hop, je prends le clic. Juste ici. Okay. Du coup, juste ici, après, il ne reste plus qu'à mettre le balai. Vous forcez, ça clipse, et voilà. L'aspirateur est prêt, tout simplement. Voilà, du coup, juste ici, on a deux trucs en métal. Et on a aussi ce truc-là. Du coup, on va monter le support, comme vous pouvez le voir juste ici. Voilà. Il suffit de mettre les deux bords en métal dans le truc. Ici, on a le truc que je vous ai montré aussi tout à l'heure. La base pour le poser au sol. Et tout simplement, là, le truc de charge aussi. Du coup, tout ça, ça permettra directement de poser l'aspirateur et qu'il se recharge. Voilà, tout simplement. Du coup, on va monter ça tout de suite. Tac, du coup, voilà, juste ici, on a la base. Il suffit simplement de mettre ça. De mettre la première fois en métal dedans. Hop, on l'enfonce. Voilà, tout simplement. Et là, la pièce est mise, tout simplement, ça bouge plus. Ici, on a le deuxième tube. On a la station de charge, simplement. Il suffit de rentrer la station de charge à l'intérieur du tube, hop, voilà, c'est clipsé. Hop, et juste ici, on a cette pièce, du coup, qu'on va tout simplement rentrer dans le tube. Voilà, on va appuyer fort.
Tac, voilà, du coup on a la pièce juste ici qui est rentrée. Et juste ici, on a la seconde pièce qu'il faudra venir, hop, juste ici, mettre comme cela. Voilà. Là, je ne vais pas le faire parce que ça ne rentre pas trop dans le cadre, mais je vous montrerai une fois monté ce que ça donne. Du coup, voilà, comme on peut le voir, l'aspirateur, bah, une fois monté, ça donne ça. Du coup, là, il est sur son socle. Hein, voilà. Je l'ai posé directement mais sur son socle. Là, on a les accessoires. Voilà. On a trois. Le quatrième, du coup, il est fixé juste ici. Tac. Ici, bah, on a le réservoir de l'aspirateur, tout simplement. Ici, je vous l'ai montré tout à l'heure, on a la batterie de l'aspirateur. Et ici, le socle de charge de l'aspirateur, tout simplement, qu'il faut connecter avec le câble. Avec le câble, voilà, qui est juste là. Il suffit de le connecter et quand on posera l'aspirateur sur le socle, ça le chargera tout simplement automatiquement. Ce qui est vachement pratique du coup. Vous n'avez pas besoin de rentrer un câble à chaque fois dans l'aspirateur pour recharger. Et voilà. Du coup, maintenant, je vous propose tout de suite de passer au test de cet aspirateur. Voilà, du coup, on se retrouve du coup pour le tout premier allumage de l'aspirateur. Du coup, je vais d'abord commencer par enlever les filtres de protection. Du coup, voilà, juste ici au niveau de l'écran de l'aspirateur, il est là. Du coup, quand je vais l'allumer, bah, tout simplement, bah, il va aspirer. Donc voilà. Du coup, ici, on a la jauge de batterie. Ici, on a la puissance de l'aspirateur. Du coup, là, il est en automatique. Si j'appuie une fois, ça le met en faible. Et si j'appuie encore une fois, ça le met en puissance maximale. Voilà, tout simplement. Voilà, arrêter. Du coup, pour l'arrêter, il faut tout simplement rester appuyé sur la gâchette. Voilà, tout simplement. Et voilà. Voilà, du coup, comme vous pouvez le voir, là, je viens de brancher l'aspirateur, tout simplement. Et maintenant, on va tout simplement bah, le tester directement en condition réelle. Voilà, du coup, je vais démarrer l'aspirateur et je vais commencer, bah, du coup, en vitesse 1. Hop, voilà, maintenant, on va passer en vitesse 2. Genre automatique, et après on passera en vitesse maximale. Et maintenant on va passer en vitesse maximale. Comme on peut le voir, il est équipé de LED à l'avant, simplement voilà, pour bien voir les saletés au sol. Voilà, ça va plutôt pas mal. Et voilà, tout simplement. Voilà, du coup maintenant pour vider l'aspirateur, bah, vous allez voir que c'est très simple. Vous prenez simplement une poubelle, vous mettez au-dessous, juste ici, avec la poubelle, et vous avez juste à ouvrir ici, comme ça. Hop, ça tombe. Et voilà, tout est tombé dans la poubelle. Et après, vous avez juste à faire tomber tout ce qui reste et à refermer. Voilà, tout simplement. Voilà les gars, sur ce c'était Evac, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben je vous mets tous les liens dans la description si jamais cet aspirateur vous intéresse. Sur ce c'était Evac, peace. I'm about to fuck the game, that's the way it goes.